Langue de vipère. Puis, qu'est-ce que t'en connais, toi, des choses de la vie?
Oh, mais bébé, que toi, mon pauvre pipi, hein? Courbé sur ton étel d'aigle, le jour se lève jusqu'à ce que le soleil tombe derrière la mer. Oh, et puis, hein? Tu vis un petit peu, hein? Tu es là, hein? Oh, moi, tu as manqué des trucs, t'as mal à chichir. Et si qu'elle voulait des fleurs? Des fleurs, oui. Des fleurs, si qu'elle en voulait. Eh bien, écoute, j'en avais plein de marais. Elle avait qu'à se baiser pour les ramasser. Et les mots d'amour, tu en as dit, des mots d'amour à ta chichi? Des femmes aiment les mots d'amour. Mais j'ai rien que des futilités, c'est des histoires de roman à l'autre, ça, ces trucs-là, les mots d'amour. Et puis, écoutez-moi ce qu'on dit sur moi là, les ragots. C'est un démenti ces choses-là. Mais vous croyez savoir par où est-ce qu'il faut les prendre, les hommes? Oh, mais arrête tes vilaines pensées, hein. Ça te tourne à la tête depuis que t'as plus de femme, hein. Et puis tu dis les ragots. Mais y'a pas de fumée sans feu, hein. On dit que tu es méchant, vilain, avare, et très têtu. Et que t'aimes un peu trop la trouspinette. Avec cet argent-là, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des terrains à des pauvres gars comme moi qui bossent dur. Mais
c'est que la terre, c'est bien un gras souvent. Et il achète les terrains. Et il les revend à des fabricants de claviers qui désirent la nature. Mais ça, c'est la vie, mon pauvre Fifi. Il y aura toujours des riches et des pauvres, hein. Les malins et les naïfs. C'est Grace, du fait que tu fasses un beau métier. J'aime te voir dans tes marins pour mes sur t'es encore pas trop mal pour ton âge et t'as le cœur à l'ouvrage. Et ta fleur de sel, la meilleure de toute la région. Abandonne pas ce beau métier qui te sonde. Bref, le
que tu me rendes un service. Oui, je ferai tout ce que tu veux. Je veux pas que tu sois malheureux, Adrien. Là, pour tes autres poèmes que j'ai écrits spécialement pour la vie, tu la trouveras là-bas, avec les paysages. Mais attention, hein, secret. Le père de Lucie découvre ça. Malheur. Adrien est amoureux. Adrien est amoureux de la fille du soigné. La fille du soigné qui a 10 000 étoiles dans les yeux. 10 000 étoiles dans les yeux. N'importe quoi. C'est dans le ciel, les étoiles. Adrien est amoureux. Ne le dites à personne. Hein. C'est un grand secret. Adrien est amoureux. Mais ne le dis à personne. Hein. C'est un grand secret. Ah, Lucie, je te cherchais. J'ai un message important pour toi. C'est Adrien qui m'a demandé de te donner. C'est un petit bateau. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se briller. Si je t'ai à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'odeur troublée, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux se changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme fuit. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Ton père, tout le monde le dit, toujours en colère contre la terre entière. Mais non, il est malheureux, voilà tout. Il se languit de ma mère, il n'y a pas que ça. Il voit bien qu'il a de moins en moins de travail. Il s'inquiète sans doute pour mon avenir. C'est vrai que le métier de sonnier est difficile, mais il devrait prendre sa retraite et vendre ses marais. Il est très vieux maintenant, il a presque 50 ans. Vendre ses marais? Mais tu n'y penses pas, sa durée. Et puis la retraite? Mais la retraite, c'est pour les fonctionnaires, les instituteurs. Mais c'est pas pour les paysans, les pêcheurs, les sauniers. Et puis, il ne veut pas vendre tant que je suis ma mariée. Il veut pour moi un homme riche qui me mettra à l'abri du besoin. Mais c'est tout moi, ça. Mais moi, je veux t'épouser. Tu le sais, je n'attends que ça. Vraiment, c'est incroyable comme coïncidence. Je t'épouse et ton père peut prendre sa retraite. Tout finit bien. Mais c'est pas si simple. Il veut pour moi un riche paysan, pas quelqu'un comme toi. Il veut... En plus, il dit que tu es un rêveur et qu'à part tes livres, que tu sais rien faire de tes doigts, même pas manier les terres. Et oui, tu n'es pas riche. Mais bien sûr que je suis riche. J'ai un métier d'avenir et certainement plus que dans ces marais qui s'assèchent. Il y aura toujours des enfants à instruire. Et puis je te ferai voyager au travers des livres. Des voyages magnifiques, inoubliables. Avec Jules Verne, nous irons au centre de la Terre. Avec Paul Éluard, je te montrerai que la Terre est bleue comme une orange. Avec Zola, nous voyagerons au cœur de la misère. Et avec Pierre Loti, tu vas adorer. Et tu sais quoi, ma douce, ma belle, nous serons heureux. Tu vas tout adorer avec moi, je te le garantis. Avec tout cet amour que j'ai pour toi et qui m'étouffe. Et mes livres, je suis l'homme le plus riche du monde. Des livres, la belle affaire, des livres, mais ça vaut rien pour lui. Je veux dire ça, il fait une attaque. Pour lui, c'est du feu pour le feu ou la cabane au fond du jardin. Mais même ton père peut avoir besoin des livres. Et des mots, on est complètement perdu sans les mots. Les mots sont la clé de tout, ça ouvre toutes les portes. Ça fait voyager au cœur du monde, mais aussi dans le cœur des gens. Il y a des mots magiques. Tu verras, je t'apprendrai à jongler avec les mots. Approche-toi, écoute, Lucie, un mot magique. Je t'aime. Jongler avec les mots? Mais ma parole, il est tombé sur la tête. L'amour sera complètement ouf. Jongler avec les mots, mon père ne comprendra jamais. Personne ne me voit. Viens,
plus tôt, mon prince. Moi aussi, je t'aime et j'aime tes mots. Mais qu'allons-nous devenir? Fais-moi confiance. Mais assez parlé de ton père. Parlons plutôt de nous et de notre mariage. Je vais de ce pas aller demander ta main à ton père. Ah non, non, non. Il est de mauvaise humeur ces temps-ci. Il faudrait mieux attendre un petit peu. Mais oui, il doit voir un marchand aujourd'hui même et ça lui tourne les sangs. Mais justement, s'il a de mauvaises nouvelles, il sera encore plus en colère et ne voudra peut-être même pas que je lui parle. C'est mieux tout de suite, je t'assure. Attention, il y a une petite. Va te cacher parmi les paysans. Elle prépare la noce. Il ne doit pas te voir. Quelle noce? Non, mais je vais vite. Sauve-toi. Allez. Un baiser d'abord. Non, s'il te plaît, va te cacher parmi les paysannes, hein? Mais s'il te plaît, pour me faire plaisir, hein? Sinon, eh bien, tu vas déclencher sa colère, hein? Je n'ai pas peur de lui. Un baiser te dit sinon je reste. Allez, vite, sauve-toi. Allez, tu vas te craindre des profondeurs, là. Mais non, t'inquiète, je suis jeune et vigoureux. Je ne me laisserai pas faire. Bon, pour te plaire, ma Lucie, je m'éloigne. Mais je ne suis pas loin. Et s'il te le montre, tu m'appelles. J'arrive en courant. Et je t'enlève. Oui. Vite, allez, dépêche-toi. J'aimerais.
qui se surnomme. Hein? C'est bien que les histoires d'amour finissent mal en général. Et ma chichi, moi, je l'aimais plus que tout au monde. Moi, je veux que t'épouses un homme sérieux qui te nourrira du lard pour que tu puisses nous faire des petits pains bonnes, bien grands, bien vigoureux, qui reprendront le travail du sel à ma plaque. Non! Pour la presse de soie de fil têtu comme toi. T'es comme ta mère. Ta mère aime parler comme ça. Elle voulait que j'y parle. On a un peu. Pour y dire quoi? Eh bien, ça c'est fini. Il est parti pour la grande ville de Chaland, sans se retourner en nous abandonnant tous les deux. Et bientôt le modernisme gagnera même les campagnes. Oui, il y aura de l'électricité partout. Les voitures rouleront sans les chevaux. Et puis les parents ne décideront plus du sort de leur vie. C'est le progrès. Tu ne peux rien y faire. Écoutez, n'est d'obéir, j'ai affaire avec les paysans. Oh, mauvais signe. Comme ça, mais. Les automobiles, l'électricité. C'est ce qu'on va voir. Oh, la vie réussit. Oh, la misère. On dirait même qu'elle a fumé de la salicorne. Bah, si elle veut la guerre, avant de la voir, la guerre. Qui c'est le patron ici, nom de là? Elle l'épousera Arsène, le maître paysan. Tu es de mauvais signe, je ne sais pas dans la vie. Il s'agit sans doute du vieux dont mon père m'a parlé. Et en plus,
d'argent. Mon père veut que j'épouse cet homme que vous venez de voir. Et les traitons, les sorties, et le vin de Brême, les caillebottes, il faut que
Mais ma parole, ils sont tous tombés sur la tête. L'amour, ça rend complètement. C'est pas bon. Tu te lèves le matin, il faut que tu travailles comme ça du matin jusqu'au soir d'arrache-pied. Même s'il pleut, s'il gèle, s'il vente, s'il t'enfait tout. Soit qu'il fait trop froid, soit que tu meurs dans le chaud. Et t'es sur le marais toute la journée comme ça. T'as le dos en compote. Faut y mettre du vôtre, ça. Regardez-moi. D'accord.
mais personne pour m'accueillir le soir de mon mariage. Je dérange, je n'en pas doute. Alors, c'est ce que ma fiancée se prépare. Oui, c'est eux. Oh, un mignon. Tellement rose et fraîche que j'épouserai même sans robe. Alors, où est-elle la belle? Comme je suis.
même comme le chou. Mais oui, il n'est pas beau, non. Il pleut, qu'il gèle, et tout. Je te donnerai toutes les fleurs du marais, t'auras qu'à te pencher pour les ramasser. Thank you.
Merci. Je n'ai qu'un bout du micro, mais ça va le faire quand même. Dans tous les mariages, il y a toujours l'oncle Alfred qui a un discours à la con à faire. Donc, ben voilà, je m'y colle. Après le discours, vous avez spectacle de feu sur la grande scène. Et après le spectacle de feu, on se retrouve ici pour le bal. Alors je vais essayer de faire vite comme tous les tontons Alfred. Je vais remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés à cette espèce de folie. Et vous, le public, qui avez répondu bien plus nombreux que ce que nous pouvions espérer. Donc bravo à vous, on peut vous applaudir. Alors, dans cette aventure, m'ont suivi très très vite Madame Evelyne Thomer, Monsieur Xavier Chauvière. Allez, viens par là. Viens par là. Et comme Xavier ne vient jamais tout seul, il est venu avec tout TGV. Une partie, ils ne sont pas tous là ce soir. Puis il fallait bien sûr quelques comédiens, un certain nombre de comédiens. Vous pouvez commencer à couper la brioche et à la distribuer. C'est compris dans le prix. Alors je vais essayer de ne pas oublier de comédiens et de comédiennes. Je vais commencer par le plus jeune, Pacôme, collégien de son état. Nathalie, infirmière de son état. Annick, retraitée de son état. Claire, avocate de son état. Cathy, graphiste de son état. Marie, j'avais oublié. Martine. Romain. Comédien, Damien, comédien, Chichi, Philippe, prof de maths, et la jolie saunière, Lucie, comédienne. Et puis il y en a un brave, il n'a pas joué son rôle, monsieur le premier adjoint. Je vais faire très court, je voudrais déjà remercier chaleureusement Jean-François pour ce projet fou. Je voudrais reprendre simplement, j'ai lu ta préface dans ce livre d'ailleurs que vous pouvez faire acquisition, c'est la pièce, reprendre un mot où tu parlais d'une belle aventure humaine. Et cette pièce, c'est une belle aventure humaine. Il y a un peu plus de 8 mois, 9 mois, tu m'as parlé un peu de ce projet fou. Et on a dit, bon, au mercredi de l'été, c'est lui que vous êtes présent ce soir, c'est un peu ce laboratoire où on recherche un petit peu des spectacles, des nouveautés, où on essaie de faire un peu innover. Alors, je ne sais pas toujours facile. Connaissant Jean-François, ce savant fou qui est capable de tout, il fait toujours un peu peur quand il vient avec ses projets. Mais j'avoue que là, le projet était ambitieux et intéressant. Et quand il m'a dit qu'Evelyne se rapprochait pour l'écriture, là on a vu le projet se prendre en forme très très vite. On va dire que dès la fin de l'année dernière, le projet était écrit. Et c'est quand même une belle performance d'écriture. Bravo en tout cas à tous les deux. Ensuite est venu... Je veux les applaudir vraiment.
Ensuite sont venus toute la partie, on va dire, artistique avec tous les artistes que je vous félicite et parce que moi je ne suis pas acteur, on a dû le remarquer. Eh bien, je les félicite parce que c'est une belle performance ce soir. Et puis, il y en a bien d'autres à remercier, Nadège, je pense à Michel et Serge qui sont sur le pont, je pense aussi à tous les bénévoles qui ont encadré cette soirée, parce qu'il faut quand même pas mal de monde pour mettre en place tout ceci. Voilà ce que c'est, voilà ce que sont les mercredis de l'été à l'Idolone, une belle aventure humaine, et je remercie énormément Jean-François de pouvoir nous proposer de tels spectacles et de tels projets. Et force est de constater qu'il y aura une suite, on n'a pas le choix. Voilà, merci à tous en tout cas. Alors apparemment, il faut maintenant direction la scène où un autre spectacle vous attend. Très bonne soirée à tous, en tout cas, et merci d'être venus si nombreux. Thank you.